Bon baptême. Moi, ça me plaît bien l'histoire qui fonde au soleil. Alors ceux qui ont choisi leur champion, vous pouvez l'encourager. On encourage, c'est difficile de se battre à la chaleur comme ça, c'est difficile. Allez, un dernier assaut, on donne tout ce qu'on vous avez. Applaudis très fort. Deuxièmement, on va voter pour qui? Que vous pensez qui ont gagné le combat? La rescassée, le chevalier Sir Jean-Loup, à ma droite. Est-ce que c'est Philippe Legel, à ma gauche? Alors vainqueur, Philippe Legel, bravo monseigneur. Je peux vous garantir qu'ils font pas semblant d'être fatigués. Hein. Ça s'appelle un Marseille. Alors ça sera un combat à la mort, encore une fois. Vous êtes prêts, chevaliers? Combattez! Jacques Mézaille, donc chevalier qui a la visière relevée, et qui est pour désigner que messire Jacques Mézaille, vainqueur. Et pour monseigneur Toupe Jarret, Taï Jarret. Messire Taï Jarret, déclaré vainqueur. Bravo. Il est suivi de près par Cyrielle Lalouve, qui porte fièrement ses armoiries sur son bouclier. Florian va se battre à l'épée à deux mains. Il aura donc l'avantage de l'allonge, mais Cyrielle sera protégée par son bouclier et se battra au fauchon, une arme courte, mais très redoutable, car très puissante en force de frappe. Combattant, saluez-vous. En garde, combattez.
comme ça qu'on réglait les scènes de ménage à l'époque. Une belle touche, en plein sur le chef. Ça va inspirer des dames. Encore une éventration de Messire Florian par la Louve. Et Messire Florian qui peine à passer la garde du bouclier et qui s'épuise. Par vos applaudissements, est-il vraiment nécessaire de désigner officiellement le vainqueur ? On peut quand même applaudir le vaillant Florian. Et, allez pour la forme, qui désigne la Louve vainqueur ? Stop ! Des armures complètes comme ça peuvent peser jusqu'à 35 kilos. Il faut savoir que non seulement il y a le poids de l'armure et tout son encombrement, mais en dessous nous portons une veste matelassée, un équipement matelassé, le gamboisage ou gambison, qui est l'équivalent d'un manteau d'hiver. Donc en pleine saison comme ça, on a un petit peu chaud. Combattants, êtes-vous prêts ? En garde. Le salut. Et que le combat commence. Donc le style de combat est différent pour vous, public. Là, vous voyez qu'il est beaucoup plus technique. Les combattants prennent un certain temps pour se tourner autour avant de déclencher leurs attaques. Et aussitôt l'attaque déclenchée, ils se remettent en position, soit de parade, soit directement de contre-attaque. Le petit câlin de fin de combat. Alors, qui est pour Messire Tancred en bleu ? Et pour Messire Brouhim en rouge ? Messire Brouhim, je vous déclare vainqueur du duel. Messieurs, le salut a été fait. Ah non, il me semblait. Et que le combat, en garde, pardon, que le combat commence. Donc là, vous voyez que les boucliers servent à la fois pour parer, mais surtout pour gêner l'adversaire. Chacun des deux va essayer de rentrer son bouclier dans la garde du combattant adverse pour essayer de bloquer ses mouvements. Reste ensuite peu de place pour frapper, donc soit au chef, c'est-à-dire à la tête, soit en dessous du bouclier. Et un beau coup au chef encore. Et Messire Corbeau, a priori, déclare forfait. Donc voilà, encore une fois, hein, vous pouvez le voir, c'est vraiment pas fait semblant.
encourage fort. Bien sûr, il est avantagé par sa grandeur. On encourage messieurs Maxime. On applaudit le fair play ici. Alors, on peut déclarer gagnant, messieurs Derek. Combattants, vous êtes prêts? Saluez-vous. Combattez. Ça prend une force incroyable pour manier le brin d'arçon qui est très très lourd à relever pour réarmer. On applaudit les combattants quand même pour leur donner du courage. Alors, Sir Florian qui vient de se prendre un coup au torse phénoménal. Alors, dans la vraie vie, il serait coupé en deux. Un dernier petit effort aux combattants. Encore, encore. Un dernier assaut pour les combattants. Le pouce en haut pour le garder vivant, le pouce en bas pour le mettre à mort. En vote, en vote. Alors c'est mitigé, mais on le garde en vie. Ils doivent faire la vaisselle ce soir. Combattant en ligne!
Dans quelques minutes, il y aura le tournoi des petits écuyers qui vous sera